Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du Cold Winter Challenge pour cette vidéo, comme le titre de la vidéo va l'indiquer. Donc le Cold Winter Challenge, c'est un challenge qui se déroulait durant la période de décembre et décembre-janvier. Donc voilà, il reste quelques jours, mais pour moi il est terminé, je ne pense pas que je fasse d'autres lectures sur ce challenge, donc je vais pouvoir faire cette vidéo pour pouvoir vous parler de mes lectures, les défis que j'ai réalisés en plus pour valider d'autres points, et puis faire du coup un bilan de ce challenge. Donc je rappelle que c'est un challenge qui est organisé par la chaîne de Margot Liseuse. Il y avait donc, de la même manière que le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un défi où en fait il y a différents... alors lui c'était, que je ne dise pas de bêtises, je regarde... En fait, il y a différents menus, il y a quatre menus différents, et dans chaque menu, il y avait des... chaque menu donnait une thématique de livres à lire, et en plus, cette année, elle avait rajouté des catégories bonus, et donc chaque livre pouvait correspondre à plusieurs catégories, ça permettait de gagner des points et gagner un niveau d'échelon à la fin en fonction des points qu'on aurait acquis. Donc il y avait en fait deux challenges dans le challenge. Donc je vais dans un premier temps... dans la vidéo, vous parlez de mes lectures que j'ai fait dans chaque menu. Et puis, à la fin, je vous ferai un bilan donc du coup du nombre de points que j'ai acquis, les petites catégories que j'ai reçues à valider. Et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite pour parler de tout ça. Donc du coup, je vais commencer... Donc il y a déjà un menu, Marcher dans la neige. Je n'ai lu aucun livre de ce menu. J'avais prévu de lire La fille de l'hiver, et je ne l'ai pas fait. J'ai lu d'autres livres, j'ai pas eu forcément le temps. J'ai plus forcément eu envie de le lire, pourtant que j'étais très motivé au début. Il sera toujours là dans ma palle, il sera sans doute là pour l'édition d'année prochaine. Voilà, ça reste un livre que je mets de côté, qui j'ai eu des très bons échos aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il était assez épais et j'avais peur de ne pas avoir le temps. J'ai le PLIB à côté où je dois lire aussi des livres. Donc voilà, c'était pas une question de temps. Donc on va commencer par Stalactites ensanglantées. Donc le but de ce menu, c'était de lire un sorte de policier thriller qui peut se passer, bon, pas forcément en hiver ou à Noël. Bon, moi, j'ai voulu respecter le thème jusqu'à fond. Donc toutes mes lectures ont essayé d'être un peu dans cette thématique-là. Donc dans cette menu-là, j'ai lu un livre d'un auteur que ça faisait longtemps que je voulais lire, enfin pas forcément ce livre-là, donc du coup, et j'ai passé un très bon moment sur cette lecture, donc ça a vraiment donné envie de, finalement de concrétiser mon souhait de lire des livres de cet auteur. Je voulais lire Le Puits des Mémoires de lui, et c'est un moment que j'y pense, et je pense que du coup je vais sûrement essayer de l'acheter prochainement. Donc j'ai lu... N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz. Alors, j'ai passé un excellent moment dans ce livre. Je crois que c'est la première fois, en fait, où je lis un roman où je rigole. Voilà, après, je n'ai pas forcément eu des lectures, c'est forcément drôle, mais là, vraiment, on passe un excellent moment, on rigole, on est pris dans l'histoire. C'est vraiment prenant. L'humour et la façon d'écrire de l'auteur m'ont vraiment beaucoup plu. C'est vraiment très actuel et c'est très bien fait. Et on s'attache vraiment au personnage. Et ouais, sa plume est juste géniale. Donc je me dis, dans ses autres récits, ça doit être génial. Donc on suit Benjamin Varenne, qui est un comédien loser, quoi, qui n'arrive pas à décrocher de grands rôles, qui enchaîne donc des petits boulots. C'est un trentenaire. Et le bouquin commence où, en fait, il est à faire le Père Noël dans un grand magasin. Et il va croiser, une fille va passer et il va en tomber amoureux. Bon voilà, c'est un peu cliché, mais pourquoi pas, parce qu'il la trouve belle et du coup il va vouloir essayer de l'approcher. Et sans s'en rendre compte, il ne sait pas trop qui est cette fille finalement. Et ils vont se revoir, il va se rendre compte qu'elle a un garde du corps, donc il voit qu'elle n'est pas forcément, que c'est pas quelqu'un de banal. Sûrement quelqu'un de riche ou de fortuné. Et voilà, il est embarqué, il va arriver à aller chez elle, et il va y avoir une espèce de quiproquo qui va s'enchaîner. Il va découvrir que finalement, en fait, elle est mariée à un mafia libanais. Et par un concours de circonstances, ils vont éliminer du coup
la belle-mère de la fille en question, ce qui fait qu'il va devoir partir en fuite avec la fille et son garde du corps pour échapper aux représailles finalement du mafia libanais, albanais. Ou libanais ou albanais, je sais plus. Enfin bref, d'une mafia. Et puis en parallèle, il va se faire. Donc au début, il va fuir, il va aller chez ses parents. Donc là, c'est assez drôle, en fait, la retrouver avec ses parents. On voit que voilà, il n'est pas forcément proche de sa famille. Et les quiproquos qui sont menés par rapport aux filles qu'il la ramène avec sa mère, etc. C'est super drôle, c'est super bien fait. Les jeux de mots sont très bien faits. Ensuite, donc il va se faire arrêter pour le meurtre finalement de la belle-mère. Et puis là, il va être engagé par les forces de police, parce que c'est peut-être le seul contact qu'ils ont, pour pouvoir l'amener finalement à ce mafia albanais. Donc ils vont le libérer, envoyer avec lui un agent secret, pour qu'il retrouve la jeune fille et indirectement capturer ce mafia. Donc il va partir finalement après en Thaïlande, etc. Il part vraiment dans une grande aventure. Voilà, pour essayer de coincer finalement. Donc il joue un double jeu finalement, parce que lui il avait aussi envie de retrouver cette jeune fille. Et en parallèle, voilà, il est coincé. S'il veut arriver à libérer pour que les soupçons soient enlevés de lui, il doit coopérer avec les forces de l'ordre. Donc voilà en gros, vite fait, l'histoire. Voilà, son sujet, c'est un petit peu une enquête un peu policière, mais c'est vraiment la touche forte, c'est vraiment le côté humour. J'ai vraiment passé un super moment dans ce livre. Il y a non, ça se finit, hein, il y a une fin. J'en dirai pas plus, justement, plus la fin est quand même pas mal parce qu'il y a des retournements de situation. Parce que finalement, on se demande qui est qui. Et c'est plutôt pas mal. Moi, je m'attendais à certaines révélations à la fin qui n'ont pas eu lieu, j'étais assez surpris. Donc, comme quoi, aussi, sur ce genre de livre, quand on lit un policier, on essaie d'élucider finalement les mystères et quand on réussit à être baladé, c'est que ça a réussi. Il y a un autre tome qui est sorti, donc je pense que je lirai l'année prochaine au prochain. Call Winter Challenge du même auteur et avec le même héros Benjamin Varenne. Donc je suis assez curieux et entre-temps dans l'année j'essaierai de lire un autre livre de cet auteur. Donc ce livre ça m'a permis de valider un petit point à Romance de Noël. Donc ensuite je vais parler des romans Flocon Magique. Donc là c'était lire des livres revisite de contes, de la fantasy, du fantastique, voilà ce qu'on veut. Alors là j'ai essayé quand même de prendre un maximum de livres qui peut être un peu hiver, ou au moins il y avait quelque chose qui se rappelait dans la couverture ou dans l'histoire, ou qui pouvait me rapporter des points par rapport aux différentes catégories bonus à valider. Donc je vais d'abord parler Le fabricant de poupées de Cracovie. Alors déjà la couverture est juste magnifique, c'est ça qui m'a attiré, de R.M. Romero. Donc on voit, il y avait un petit peu de neige, je me suis fait ça peut passer. Il y a des superbes illustrations à l'intérieur du livre. Vraiment super beau. Donc vraiment c'était un très bel ouvrage, c'est vrai que c'est ça qui m'a attiré l'œil. Je vais vous parler de l'histoire tout de suite parce que du coup j'ai été entre guillemets un peu déçu, parce que je m'attendais pas forcément à ça, mais enfin déçu dans le pourquoi j'avais acheté le livre, mais finalement j'ai passé comme une très bonne lecture, et c'est sûr que si j'avais su que le bouquin de ça, je l'aurais sans doute peut-être pas acheté, mais je regrette pas de l'avoir lu. Voilà, ça va se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça se passe au début avant, donc on est sur la prémisse de la montée de Hitler et du nazisme, donc et notre monde. Et il y a un monde en fait considéré le monde des poupées, où en fait les poupées, voilà, un monde un peu de sucreries, de bonbons, où vivent les poupées. Et il se trouve qu'il va se retrouver en guerre où les rats ils sont envahis par les rats. Et Carolina, la poupée, quand on suit l'aventure, arrive à s'échapper de son monde de poupée et se réveille dans notre monde, dans le magasin d'un fabricant de jouets qui l'a donc réveillée en mettant en elle un cœur. Donc lui, forcément, j'ai plus son nom en tête, Cyril, c'est ça, Cyril, est forcément très surpris d'avoir une poupée en face de lui qui arrive à parler. Donc voilà, il va se créer une sorte d'amitié entre eux. Elle va lui expliquer que finalement, il est une sorte de magicien, une sorte de sorcier, il a des pouvoirs. Il arrive du coup finalement à conférer la vie au jouet et va lui raconter que son monde est en danger et que si elle est là, c'est sûrement que lui peut l'aider. Et il va se créer une sorte d'amitié. Finalement, elle va lui apporter, voilà, c'était quelqu'un, Cyril, de assez renfermé sur lui-même, basé que sur sa fabrique de jouets. Et en côtoyant la poupée, il va s'ouvrir aux autres. Il va donc se faire un ami d'un juif avec sa fille.
Et donc voilà, on sent que voilà, forcément, s'il devient ami avec des juifs, vu la conjoncture, comme ça va partir, on est avant l'avant-guerre, ça risque peut-être de mal tourner à la suite de l'histoire. On va découvrir que finalement, ben, chez les Allemands, ils ont aussi des sorciers. Il y a beaucoup de parallèles qui sont faits entre voilà, ce qu'a vécu la poupée dans ce monde qui a été envahi par les rats, et puis là, les Allemands qui envahissent. Donc voilà, le livre, fur et à mesure, on voit la montée du nazisme, comment on arrive à vivre avec ça, le comportement des gens vis-à-vis de ça. Et voilà, on va jusqu'au bout de l'histoire, où pour essayer, finalement, ben, ils vont essayer de s'en sortir, de sauver leurs amis en même temps. Et la poupée rentre là-dedans, et finalement, elle se dit qu'elle doit peut-être rester ici pour aider, c'est pour ça qu'elle est là, et qu'elle pensera après à savoir comment ils vont trouver une solution pour sauver, elle, son peuple, de la tyrannie des rats. Donc c'est vrai qu'au début, moi, je pensais que le bouquin allait beaucoup plus se passer dans le monde des poupées. Et qu'en fait, c'était à travers ce monde des poupées qu'on aurait eu forcément ce parallélisme pour comprendre la méchanceté en fait, de la guerre, de la seconde, de cette mentalité, à travers finalement les rats. Et en fait, pas du tout. Donc c'est en ça que j'étais, entre guillemets, déçu, parce que je m'attendais à quelque chose de plus fantastique. Mais donc finalement, non, tout le bouquin se passe vraiment que dans notre monde, avec donc quelques touches de pouvoir. Au fil des chapitres, il rencontre des espèces de personnages un peu atypiques. Un peu du folklore ou surnaturel polonais. J'ai trouvé ça intéressant, les allusions qu'il pouvait y avoir. Ça ajoutait une petite touche un peu de fantaisie qui était très bienvenue. C'est très touchant, très poétique. Un petit, c'est un sorte de conte finalement. Mais il y a quand même toujours cette mélancolie. On sent que plus on avance dans le récit et on sent que la fin va pas être facile. Et la fin n'est pas forcément facile. Voilà, on est vraiment dans la dure réalité. Voilà, c'est un roman vraiment actuel qui remet bien les choses au niveau de la guerre de la Seconde. Et c'était vraiment une, comment dire, une belle lecture d'un beau livre dans tous les sens du terme et qui fait pas forcément de concessions. Et voilà, on est vraiment dans l'horreur de la guerre telle qu'elle est. Voilà, je vais pas en dévoiler plus, c'est à vous de découvrir. Je vous conseille vraiment de le lire quand même parce que c'est vraiment un beau livre, une belle découverte. Un beau conte, très juste au niveau de la narration. On tombe pas forcément dans, trop dans, non plus dans le pathos, mais voilà, on est bien et alors on a envie, on est pris à bout d'un moment dans cette histoire. On a envie de savoir comment ça va se finir, même si quelque part on n'a pas envie de savoir parce qu'on sait que ça va pas être heureux. Donc voilà, c'était une très belle lecture. Donc ça m'a permis d'avoir porté un petit point avec de la couverture avec de la neige. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai eu à Noël, un petit livre. Donc, À l'ombre de l'encou de Jean Vigne. Alors, en fait, pour la petite histoire, voilà, ça fait longtemps que j'entends parler des éditions du Chat Noir. Donc, j'ai voulu commander un livre. Il faisait partie des présélectionnés du PLIB 2019. Donc, il n'a pas fait partie des 21. Il faisait partie des sélectionnés. Donc, la couverture, voilà, est juste magnifique. Mina M, encore une fois, l'illustratrice qui fait des merveilles. Et ça, je ne connaissais pas forcément le Chat Noir au niveau de cette édition, ce que c'était, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne m'attendais pas forcément à un livre aussi petit. Donc voilà, c'est un peu plus jeunesse, un peu plus enfantin. On est un peu dans un livre, finalement, une collection style chair de poule. On est vraiment sur le même niveau, même thématique, et puis même niveau de lecture. Donc voilà, ça se lit tout seul, hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de. Voilà, il y a un peu plus de 100 pages. Mais bon, voilà, j'ai passé un moment plaisant. C'était intéressant de découvrir cette maison d'édition à travers ce livre. J'aurais pu sans doute. Et aussi découvrir aussi Jean Vigne, parce que j'ai beaucoup aimé sa plume. Voilà, bon, on est dans une catégorie plus jeunesse sur ce livre-là que sur d'autres titres qu'il a pu écrire. Mais ça permettait, voilà, de découvrir un nouvel auteur français. Pour la petite histoire, en fait, voilà, c'est une famille parisienne qui, voilà, la mère est malade, a une sorte de cancer. Et ils vont partir vivre dans leur maison de famille. Qui appartenait à la mère en Bretagne. Donc forcément, leur fille, Lottie, voilà, se retrouve complètement perdue dans cette voilà, ils sont au bord de la mer, perdus dans la cambrousse bretonne. Mais c'est pour le repos de sa mère. Et elle va découvrir le soir, lors de sa première nuit où elle va passer dans cette maison, une barque sur l'eau. Et sur cette barque, sur l'eau, elle va découvrir un être dans un
grand manteau noir, il tient une faux, elle sait pas ce que c'est que c'est cet être au final. Elle va appeler sa mère pour qu'elle vienne voir, et finalement sa mère va se rendre compte qu'elle ne voit rien, donc elle dit à sa fille qu'elle rêve. Donc elle s'inquiète quand même, Lottie, pourtant elle était sûre de ce qu'elle voyait. Aussi en parallèle, elle va croiser régulièrement dans son jardin, dans sa maison, un petit garçon qui, pareil, dès que ses parents sont là, il disparaît. Donc elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui est pas net. Et puis au final, ce petit garçon, elle va discuter avec lui, il va lui apprendre qui est cet individu, ce personnage sur la barque, et il lui apprend que c'est l'Ankou, donc du folklore breton, qui en fait son but, c'est un peu l'équivalent de la mort, et bien chercher les gens pour les amener de l'autre côté. Et Lottie va penser que il est là pour amener sa mère, qui va, selon elle, succomber à son cancer, et que du coup l'Ankou est là pour ça. Donc elle va tout tenter pour empêcher l'Ankou de lui voler sa mère. Donc en voilà en gros l'histoire. Au fil de l'aventure, on va découvrir qu'il y a un secret de famille. Voilà, de pour qui ce petit garçon, pourquoi l'Ankou est là. Voilà, tout ça est mis en place. J'ai passé une très bonne lecture. Voilà, il y a un petit côté, voilà, comme je dis, très très chair de poule finalement, un petit côté horrifique. J'ai bien aimé la plume de comment étaient racontées les pensées de Lottie. On arrive bien à s'identifier à elle et être dans la pensée de cet enfant qui vit ces choses-là, et c'est très très bien mis en texte et très crédible. Donc j'ai passé un très bon moment, c'est une lecture plaisante, ça me donnerait très envie, surtout que voilà, il y a aussi des beaux dessins aussi à l'intérieur, donc ça donne toujours plaisant de lire des beaux livres comme ça. Voilà, puis ça cassait un peu entre deux grosses lectures et un petit livre comme ça fait toujours plaisir. Ensuite, je vais pas forcément en reparler beaucoup. J'ai mis aussi donc Le Bois sans songe de Laetitia Arnoux, qui fait partie donc des 21 sélectionnés du Plip 2019. J'ai donc fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne sur ce titre. Et en parallèle avec, vous avez sur mon compte Facebook, et vous avez le lien en bas de la vidéo, de l'interview que j'ai fait de Laetitia Arnoux par rapport à ce livre. Donc je vous invite fortement à aller voir. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était une très très bonne lecture, et c'est une revisite de contes que j'ai adoré. Donc je vais pas voilà, en reparler parce que j'en ai fait une vidéo dessus. Je vous invite à aller voir ça en parallèle. Donc ça aussi, ça m'a permis de valider un secret de famille et contes nordiques, qui m'a permis donc de valider 2 points pour cette lecture. Donc je vais changer de menu, donc je vais parler du dernier menu, la magie de Noël. Magie de Noël, donc là il fallait lire, voilà, c'est assez simple comme le dit le nom, des livres qui se passent au moment des fêtes et de Noël. J'ai donc lu plusieurs livres. Je vais commencer par le premier. Un Terry Prachnet. Il a fait des petites nouvelles sur Noël. Donc là, c'était vraiment. Quand je suis tombé sur ce livre, j'ai fait, tiens, pourquoi pas, Terry Prachnet, voilà, grand auteur de fantasy. J'ai toujours pas encore lu Les Disques Mondes, c'est toujours dans ma palle, mais il faut que je m'y mette. Donc ça permettait enfin de lire un petit Terry Prachnet. Donc là, ça s'appelle La fausse barbe du Père Noël. Donc voilà, là on est sur un truc vraiment très enfantin. C'était plus pour le fun, pour l'auteur, pour la collection, etc. Donc voilà, il y a, je sais plus, il doit y avoir 11 petites nouvelles, un truc comme ça. 10, 11 nouvelles. C'est des petites histoires, voilà, on retrouve toujours la petite touche Terry Pratchett, petite touche d'humour. C'était très plaisant à lire, j'ai passé un bon moment. Je suis très content de l'avoir d'un coup dans ma collection. Et c'est des petites histoires très intéressantes dans l'univers que crée Terry Pratchett. Ensuite, j'ai lu un classique. Le Drôle de Noël de Scrooge, de Charles Dickens. Donc là, c'est parce qu'en fait, j'avais l'édition, j'aime bien la couverture, et j'avais l'édition faite par le film de Disney, qui met en avant le titre de Scrooge. Il est paru sous différents titres. Voilà, c'est une histoire assez connue, c'est donc un classique. Donc c'est ce vieux avare de Scrooge qui, voilà, radin, qui se comporte mal avec tout le monde, qui veut pas fêter les fêtes de Noël. Et voilà, il va donc durant la nuit de Noël avoir son Noël passé, présent et futur. Et ce qui va évidemment le faire changer sa mentalité. Et après ces événements, il va devenir quelqu'un de meilleur et complètement changer de personnalité avec son entourage, sa famille et ses collègues. Voilà, j'ai toujours un peu de mal, moi, avec les vieux livres, avec l'écriture. C'est, voilà, j'ai toujours un peu de mal, c'est moi,
Sympa. Après, j'étais content de l'avoir lu. C'est un classique. J'avais envie de connaître l'histoire. On voit beaucoup de films, beaucoup de romans qui font allusion à cette histoire, au final, des nouvelles passées, présents et futures. Donc, je suis très content d'avoir fait ce challenge pour pouvoir, qui m'a permis de lire ce classique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu un manga quand même, aussi. Ça faisait longtemps, ça me fait plaisir. Le Père Fouettard Corporation. Donc, pour l'occasion, je trouvais la session chez Kurukawa de Hikaru Nakamura. La couverture est juste magnifique déjà. Ça attirait vraiment beaucoup envie de lire cette histoire. C'est par les auteurs finalement des périples de Jésus et Bouddha. Donc on est vraiment sur un tome, sur une série assez humoristique. On suit un jeune homme qui travaille dans une supérette, qui veut absolument, qui est quelque part une sorte de loser, quelque part, comme souvent dans les mangas humoristiques finalement, et qui veut absolument arriver à décrocher le fameux CDI. Et par un concours de circonstances, je ne vais pas forcément entrer dans les détails, il est embarqué par le père Fouettard, qui l'emmène donc au pôle Nord, pour lui proposer un boulot de bosser pour lui. Donc il est embarqué là-bas. Et par donc le début, voilà, tout ce qu'il voit, c'est qu'il a fait oh, enfin un CDI. Et en fait, c'est ça qui le motive à accepter ce boulot, même s'il trouve que tout ça est complètement loufoque. Il se demande qu'est-ce que fait le père Fouettard, que tout ça n'est sûrement pas vrai. Il se rend même pas compte au début qu'il est vraiment en pôle Nord. Et puis finalement, après, il a sa mère au téléphone, qui sa mère le félicite d'avoir enfin trouvé un CDI, etc. Et finalement, pour pas la décevoir, il dit oui, j'ai un CDI, je pourrais t'envoyer de l'argent, je vais pouvoir t'aider. Et donc, il rentre dans ce mensonge et finalement, il peut plus reculer. Il est obligé d'accepter ce travail. Et il va donc découvrir l'envers du décor. Il va donc découvrir que le Père Noël a disparu, qu'il n'y a plus de Père Noël, qu'on n'est plus là en fait pour donner des cadeaux aux enfants, mais en fait pour donner des cadeaux aux enfants qui n'ont pas été sages, mais des mauvais cadeaux. Et donc voilà, on découvre comment ça fonctionne, comment il y a un truc un peu à la Monstre et Compagnie, où en fait ils doivent évaluer en fonction de la méchanceté de l'enfant, il faut qu'il leur fasse un cadeau qui va le décevoir en un taux proportionnel finalement à sa méchanceté. Et voilà, il va découvrir finalement l'envers du décor. De chez le père Fouettard, comment ça se passe réellement. Voilà, on est sur un manga vraiment humoristique, pas forcément loufoque, mais un petit peu. Voilà, on est vraiment dans l'esprit. Si vous avez aimé, à mon avis, les périples de Jésus et Bouddha, vous allez adhérer. Moi, je pense que je dirais sans doute la suite. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire en manga, donc ça change, c'est des paysans. Et on a envie de savoir, finalement, voilà, il y a cette scène finale du premier tome qui je me doutais un petit peu, mais finalement, ça confortait mon idée que j'avais sur ce titre et de ce qu'il pouvait vouloir développer comme idée pour la suite. Donc voilà, les personnages sont plutôt attachants. Le fonctionnement, finalement, de pourquoi il est là, comment marche le père Fouettard, m'a l'air assez bien construit et plutôt intéressant aussi. Donc voilà, je pense que j'aurais envie de lire la suite et d'en savoir un peu plus. Donc je vais finir sur ma dernière lecture que j'ai faite, qui est un coup de cœur, qui est donc La véritable histoire de Noël de Marco Leno. Voilà, donc c'est un livre qui est construit sous forme d'un calendrier de l'Avent. Il y a 24 chapitres, donc ça permet de lire en fait un chapitre durant tout le mois de décembre jusqu'au 24 décembre, jusqu'au 25. Et j'ai trouvé voilà l'histoire juste géniale. Je pensais pas autant aimer. En fait, c'est l'histoire du Père Noël et comment cette légende et comment le Père Noël a existé, a été créé. J'ai trouvé ça génial. Il y a des passages très tristes. Et finalement, c'est assez triste comme livre, quelque part. Même s'il y a beaucoup de bons sentiments, il y a des sortes de tragédies. Ça parle quand même beaucoup de la perte de ses parents, de la solitude, de la famille, du don de soi, de la vieillesse. Les relations des uns avec les autres, l'image qu'on peut refléter. Et j'ai trouvé la manière, l'histoire construite. Voilà, j'ai pas forcément rentré plus dans l'histoire, c'est assez logique. Voilà, on suit l'histoire de ce petit Nicolas qui, qu'est-ce qu'il va amener dans sa vie, quelles sont les péripéties qu'il va faire, que ça va être amené à créer cette légende, enfin, de ce personnage habillé en rouge avec des rênes et qui donne des cadeaux le soir du 24. Et voilà, c'est ça en fait l'histoire du livre. Mais j'ai trouvé ça génial, la manière, les idées qui ont été trouvées par l'auteur. C'est pas, ah, il faut absolument que j'amène ça parce que le Père Noël, il fait ça. Non, c'est tellement mené naturellement et d'une logique
tellement implacable que finalement on pourrait se dire, mais ouais, ça pourrait se passer, ça aurait pu se passer comme ça. Et effectivement, c'est logique que en vivant cette telle chose, qu'il soit devenu ainsi, qu'il fasse ça, et que cette légende du Père Noël soit devenue comme ça. Et finalement, ouais, ça peut donner envie de croire que le Père Noël existe. Je suis pas forcément d'accord avec la fin du livre. Moi, je l'aurais fait un petit peu différemment. Donc, je vais pas vous le dire parce que du coup, ça vous redirait comment se termine le livre. Mais voilà, j'aurais arrêté un ou deux chapitres avant parce que je trouvais que la fin à ce moment-là était parfaite. On tombait pas trop dans le surnaturel et on pouvait se dire, ah, ça nous laissait en fait interroger, dire, eh, s'il existait vraiment. Après, voilà, il y a l'autre chapitre qui va un peu plus loin et j'ai peut-être trouvé pas forcément crédible jusqu'au bout. J'aurais aimé peut-être qu'on laisse le doute sur finalement sur l'existence, si le Père Noël existait toujours ou pas. Peut-être juste que, en fait, dire qu'il avait existé à un moment donné, mais peut-être qu'il n'existait plus. Moi, je trouvais, j'aimais bien cette idée-là que moi, je développais en fait, dans ma tête au fil du récit. Voilà, il a voulu aller plus loin et il laisse l'interrogation à libre à chacun de croire ou non. Mais j'ai trouvé, voilà, l'idée, le développement, l'écriture, juste parfait, quoi. C'est tellement pas téléphoné, c'est tellement bon, quoi. Comment c'est raconté et comment c'est mis en place, que c'est tellement crédible finalement, on a envie d'y croire au final. Donc j'ai trouvé ça génial. Voilà, pour moi, c'est ma meilleure lecture que j'ai fait dans le cadre de ces lectures de Noël, parce que vraiment, ça m'a beaucoup touché, c'était vraiment super plaisant, et ça restera vraiment une lecture que j'aurai plaisir sans doute à relire, parce que je trouve, ou même à faire lire, parce que je trouve que c'est vraiment un très beau livre. Voilà, et en plus, il y a tout, on n'est pas là, c'est vrai que c'est des... On est sorti dans un conte, quoi. On est dans un conte, il y a des passages très touchants, c'est assez, il y a une petite touche de nostalgie, de poésie aussi. Voilà, c'était un petit peu triste. Je comprends qu'il y a des gens qui disent qu'ils pleurent en le lisant, parce que voilà, c'est vrai que c'est... Surtout à la fin, en fait, il y a une espèce de... Il fait un retour aux sources à la fin, qui est super touchant, et qui est super bien écrit, et qui est super beau. Il y a des petites touches aussi, un peu de fantaisie, enfin, qui nous, il nous le raconte, mais lui, en fait, le héros ne le voit pas, c'est super touchant. Moi, j'ai trouvé ça super bien fait, super agréable à lire, et c'était vraiment, voilà, le moment de le lire, c'est l'époque, c'était l'époque pour... Donc voilà, je suis très satisfait. Donc là voilà, je vous ai parlé de l'ensemble des lectures que j'ai lues. Donc j'ai lu 8 livres en tout. Il y avait des petits défis bonus à réaliser en plus. Je vous mets sur la publication, je vais vous mettre enfin là, les photos associées. Il fallait boire du thé de Noël. Donc j'ai bu du thé de Noël durant les fêtes. Il fallait jouer à un jeu de société, j'ai fait un jeu de société avec ma maman. Pareil, on a fait un aventurier du rail spécial Scandinavie pour être dans l'esprit de Noël des Neiges. Couper les réseaux sociaux durant une soirée, je ne dirais plus quelle soirée, mais j'ai fait une soirée où j'ai coupé les réseaux sociaux, ce qui me permet de valider aussi un point. Et puis partir en promenade, voilà, on a fait des sorties sur la côte, etc. Donc ça me valide les catégories pour les promenades. Donc j'ai validé les quatre catégories bonus. Ce qui fait que si je recompte au final, ça me fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça me devrait donc me faire apparemment 17 points. De toute façon, je ne suis pas à un point près, donc ça veut dire que je suis dans la catégorie de 11 à 20 points. Donc j'atteins l'échelon lutin du Père Noël. Voilà, donc j'ai réussi à valider le Cold Winter Challenge, j'ai lu au moins un livre, et au niveau des points, j'ai donc atteint l'échelon lutin du Père Noël. Voilà, je suis très content de mes lectures. J'ai des lectures qui seront déjà sans doute pour l'année prochaine, en espérant sans doute faire mieux l'année prochaine. Atteindre peut-être un palier au-dessus, mais en tout cas, je suis très content. Je remercie tous ceux qui auront regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire si vous aussi vous avez réussi ou si vous avez fait ce Cold Winter Challenge. On se retrouve bientôt peut-être pour d'autres challenges. Et puis, toujours en parallèle, comme je dis, on se retrouve aussi pour des vidéos par rapport au PLIB. Allez, à bientôt!